Alors là, je vous explique, il y a mon Uber qui est en double fil, la police qui est devant l'ambassade qui va me soupçonner de faire des choses pas bien. Je pense que je vais peut-être avoir un problème. On a vu un appartement hier qui est vraiment pas mal, mais qui est quand même assez cher, qui coûte 2 500 €. Donc on peut peut-être le négocier à 2 300. Et en fait, pour vous expliquer, parce que si vous voulez, à peu près n'importe quelle personne ici de Lisbonne censée à qui je dirais que je loue un appartement de 2 500 € me prendrait pour un dingue. Et en fait, il y a une raison à ça, c'est qu'en fait avec ma femme, on cherche un appartement qui a un minimum de standing, c'est-à-dire qui soit assez moderne. Et à Lisbonne, il y a beaucoup de trucs anciens. Donc voilà, c'est pas que c'est pas bien, c'est juste que nous, on aime bien voilà, avoir un équipement moderne, des meubles modernes, une cuisine moderne. Et à Lisbonne, il faut mettre le prix. Et il y a des programmes neufs, mais qui coûtent très très cher. Il faut savoir que l'appartement qu'on a vu à 2 500 € par mois, on a parlé avec l'agent immobilier, elle nous a dit en fait que la personne l'a acheté 809 000 €. Donc si vous calculez, je viens de rater mon chauffeur, il est là-bas en fait. Donc 809 000 €, donc si nous on le loue 2 500 €, il faut savoir que ça lui fait du 3,8% de rentabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, bah, pour lui, c'est pas quelque chose de très rentable. Sauf que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. C'est voilà, apparemment c'est un mec du golf ou je sais pas quoi. Il a acheté 5 appartements, c'est un programme neuf. Et donc il s'en fout un peu parce que de toute façon il a beaucoup d'argent. Donc nous, l'idée c'est quoi? C'est d'en profiter. Alors là je vous explique, il y a mon Uber qui est en double fil, la police qui est devant l'ambassade qui va me soupçonner de faire des choses pas bien. Je pense que je vais peut-être avoir un problème. Voilà, donc je vais la jouer fine. Voilà, tiens. Vas-y, roule ma poule. Voilà, ça va, ils m'ont vu, mais ils sont détendus, on va en profiter. Ok, c'est parti. Hola, bon dia. Disculpe la demora. Et que je vais chez Emmaïch, je vais chez Menoche. Então, já tem uma direção, não? Já, estou em Balmoura, né? E Avenida Chinovas, não? Não. Não? Balmoura. Mas onde fica? Ux. Está. Visco de Balmoura. Está longe? Não, não é longe. Avenida Visco de Balmoura. Isso. Tá bem. Ok, vamos. Voilà. Donc, Uber, cuir, air conditionné, déjà, on est bien. Voilà, donc pour vous expliquer un petit peu, en fait, l'idée c'est quoi? C'est de profiter justement de quelqu'un qui investit mal son argent, puisqu'il a un bien qui a payé plus de 800 000 € et qui lui rapporte pas grand chose, puisque bah, à titre de comparaison, nous à Lisbonne, c'est parce qu'on a moins d'argent, donc du coup on essaie de bien investir, on a dépensé, on a investi 156 000 € et on a un bien qui nous rapporte bah, environ 1 600 € net par mois. Du coup effectivement voilà, ça demande un petit peu de travail pour accueillir les hôtes, gérer sur Airbnb etc, mais c'est beaucoup plus rentable. Donc voilà, du coup louer un truc de 1 500 €, c'est pas totalement déconnant, parce que à ce prix là on a quand même quelque chose qui est neuf, hein, c'est un programme neuf dans un condominium fermé et près du centre. Mais c'est juste que voilà, ça nous, si vous voulez, c'est quand même 2 500 €, c'est quand même un budget. Il y a en plus, il y a moyen de le négocier à 2 300 apparemment, selon l'agent immobilier. C'est juste que entre guillemets c'est assez cher, et surtout c'est pas un truc de dingue, ça me fait pas bondir de joie en fait cet appartement, parce que la vue autour elle est pas extraordinaire. Et voilà, pour 2 500 €, j'aimerais avoir un truc qui m'éclate bien. Donc en fait j'ai discuté avec le propriétaire de l'appartement où on était l'année dernière, donc il y a pas mal de gens qui l'ont vu, c'est là où je faisais les vidéos sur mon canapé. C'est un appartement qui fait à peu près 120 m², qui est dans le quartier qu'on adore à Santos, à l'ouest de Lisbonne, et qui est neuf. Donc en fait ils ont tout cassé, ils ont gardé juste la façade derrière, ils ont tout reconstruit, donc c'est moderne, c'est neuf, beau parquet en bois etc, comme dans l'autre appartement. Mais voilà, il faut juste discuter du prix. Je lui ai demandé, il m'a dit qu'il serait disponible après l'été. Il faut juste qu'on se mette d'accord, parce que je pense qu'il va vouloir augmenter un petit peu le prix.
Et encore une fois, là vous voyez que c'est dans beaucoup de cas c'est mieux de louer plutôt que d'acheter, sa résidence principale, c'est que je pense donc ce bien on le louait donc meublé 1 400 € l'année dernière, donc sans l'électricité, etc., qu'on payait à part, ce qui coûte à peu près 150 €. Et je pense qu'il va augmenter le prix et que ça va augmenter normalement, si on s'entend, il va être raisonnable et il va augmenter peut-être à 1500 ou 1600. Donc imaginez, c'est un bien qui coûte à peu près au moins 400 000 €. Donc ça veut dire qu'il faut dépenser 400 000 € pour économiser un loyer d'à peu près voilà, 1 500 €. Nous, on a investi 156 000 €, donc à peu près, je sais pas moi, 40% de cette somme. Et on gagne exactement la même somme. Donc vous voyez à quel point c'est important. Ce qu'il faut, c'est calculer la rentabilité du bien. Et si la rentabilité est mauvaise, ça veut dire que c'est un bien qui vaut mieux louer plutôt que d'acheter. Merci. Connaissez le tamaño total de l'appartement? Si. Et qui affiche 152, c'est bastante grave. Et comme deux lugares de stationnement? Si. Ok. Ah, ça me fait toujours mal au cœur quand je vois un agent immobilier. Là, il y avait un petit jeune, franchement super sympa, beau gosse. Je sais pas s'il a beaucoup d'expérience. Il était très gentil, il m'a fait la visite. Et bon, l'appartement est pas mal, mais voilà, c'est pas dans le quartier que je préfère. Il y a peu de chances que je le prenne. Et à chaque fois, je me dis, mais voilà, c'est un métier difficile parce que ils sont obligés de faire visiter je sais pas combien d'appartements pour faire une vente. Là, c'est une location en plus, donc je sais pas combien ils gagnent dessus. Mais voilà, c'est vraiment un métier difficile. Agent immobilier, je les vois un petit peu, ils tirent la langue. Et moi je fais du marketing, je gagne ma vie en vendant des trucs. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tous les jours, je fais des ventes à des inconnus quasiment, la plupart du temps, sans avoir à me déplacer, sans avoir à me faire jeter. Alors, je me fais jeter en fait, mais c'est sur des pages de vente, sur des vidéos de vente, donc je ne le vois même pas. Et voilà, donc c'est beaucoup plus efficace et ça m'arrive des fois de vendre, alors pas vraiment face à face, ça jamais, mais de vendre voilà, par exemple sur Skype ou par téléphone, je vends des produits chers. Et même là encore, avant ça m'arrivait de me prendre entre guillemets des refus. En fait, pour un produit à 6 000 €, je convertissais à peu près une personne sur trois, c'est-à-dire que sur trois personnes que j'appelais, je faisais une vente à 6 000 €, donc je faisais à peu près 2 000 € de vente en moyenne par appel. Et j'ai changé ma méthode depuis quelques mois. Maintenant c'est différent, c'est-à-dire que les gens en fait doivent payer pour faire un appel avec moi. Je sais que ça paraît un petit peu fou, pourtant j'ai une proposition de valeur, je leur dis voilà, on va faire un appel, je vais vous aider à y voir plus clair. Et c'est pas bidon, je leur apporte énormément de valeur lors de ces entretiens. Avant, c'était de l'eau qui me tombe dessus. Avant, je faisais déjà ces appels qui apportaient énormément de valeur, c'est juste que, et les gens, tout le monde voulait en fait travailler avec moi, c'est juste qu'il y avait des gens qui disaient, voilà, 6 000 € c'est pas possible, ce que je peux comprendre honnêtement. Là j'ai changé mon système, alors j'ai fait que 2 ventes, donc voilà, je sais pas, mais ce qui est rigolo, c'est que j'ai dit voilà, j'en ai marre de bosser pour rien en fait, de faire ça gratuitement, donc à partir de maintenant, il faudra que les gens payent pour faire une première session de consultation, donc c'est 200 € TTC, hors taxe ou TTC, je sais plus, mais je crois que c'est TTC. Et ensuite, en fait, je fais la même chose que je faisais avant gratuitement. Je fais une session de coaching qui apporte énormément de valeur. Et après, les gens peuvent signer pour faire un coaching avec moi. Et les deux, en fait, ont signé, ont dit oui. C'est pas encore assez significatif, mais a priori, c'est quand même assez rentable. Je vais vous montrer parce qu'il m'avait dit que derrière, il y a Campo Pequeño. Donc voilà, parce qu'on le voit. Ah non, il est complètement cramé là avec l'image. En fait, c'est un truc, je crois que c'est une espèce d'arène, ils faisaient des compétitions de tauromachie ou je sais pas quoi dedans, mais l'architecture est assez particulière à ce qu'on voit. Ouais, pas tellement. Ok, voilà. Donc voilà, donc juste pour partager ça avec vous, c'est l'avantage quand on a un business sur internet, on fait des ventes un petit peu en automatique, on n'a pas besoin de se déplacer, on n'a pas besoin de mendier, on n'a pas besoin de se faire jeter. C'est cool et c'est nous qui gérons et on peut même filtrer, avoir des systèmes comme ça en place, parce que moi c'est le système que j'ai mis en place. Je filtre les gens, je ne parle pas à n'importe qui et ça me permet d'être en contact uniquement avec les gens motivés, les gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'évoluer, d'investir. Et je peux vous dire un truc, c'est que mes clients qui payent cher, c'est les clients les plus adorables du monde, c'est les plus gentils, c'est les plus motivés, c'est les plus cool, c'est ceux avec lesquels j'ai plus de plaisir à travailler, mais bon, c'est pas surprenant. Donc voilà, donc elle regarde ça, genre les gens regardent, on est encore en 2016, hein. C'est pas encore normal de parler tout seul face à une caméra, donc ça va. L'humanité a encore de l'espoir.
Mais les gens regardent ça genre, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Voilà, là ça ressemble à quelque chose là. Voilà, donc j'ai un cadeau pour vous, j'ai préparé une formation en vidéo d'une heure où je vous explique comment créer un business qui rapporte 2000 euros par mois ou plus en travaillant moins de 4 heures par semaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi je fais du business sur internet depuis 2010. J'ai aidé des centaines de personnes à créer un business rentable. Je veux dire, aujourd'hui j'ai 50 interviews de clients qui ont suivi mes formations et qui ont créé un business rentable et j'en suis très fier et très heureux pour eux. Et j'ai préparé une formation gratuite d'une heure, vous pouvez voir, tout est expliqué dedans. Vous allez voir, j'ai un petit business qui rapporte 2500 euros par mois en automatique sans rien faire. C'est-à-dire que voilà, c'est un truc qui rapporte en automatique. Tous les jours, il y a des visiteurs qui rentrent dedans gratuitement. Et ça me génère en moyenne 2500 euros par mois. Pour voir la formation gratuitement tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo. Ciao! Segundo andar, okay.